Yo l'équipe, c'est Sang et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur Fortnite. Donc comme ce soir au titre de la vidéo, on se retrouve pour un glitch qui va vous permettre de gagner des XP vraiment super facilement et super rapidement. C'est l'un des meilleurs glitchs qu'il y a actuellement sur Fortnite pour pouvoir augmenter 6 niveaux. Donc si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc pour faire ce glitch sur Fortnite, c'est vraiment super facile et super rapide à réaliser. Vous allez donc devoir vous rendre dans le mode créatif et dans le mode créatif, vous allez devoir rentrer le code d'une map que vous retrouvez dans la description et que je vous affiche à la vidéo. Et donc grâce à ce code, vous allez voir que vous allez avoir une map et sur cette map, vous allez avoir la possibilité de gagner un maximum d'XP vraiment super rapidement et vous allez voir que c'est vraiment super facile à réaliser. Donc on se retrouve directement sur Fortnite en mode créatif. Donc là maintenant, une fois que vous êtes sur Fortnite, vous allez devoir vous rendre à un endroit dans lequel vous avez la possibilité de mettre le code d'une map. Donc là, vous vous rendez juste ici, vous mettez le code d'une map. Donc le code, vous le retrouvez dans la description ou vous le voyez actuellement à l'écran. Donc vous allez devoir entrer le code de cette map là et vous allez devoir tout simplement accepter le code de la map et la map va se charger. Au bout de quelques secondes, vous allez avoir l'image de la map qui va apparaître et vous allez donc pouvoir rentrer dans l'image et ça va donc vous téléporter dans le code, donc dans la map, dans l'activité complètement. Et vous allez voir que grâce à cette map, on va pouvoir se faire un maximum d'XP et augmenter nos niveaux à un maximum. Une fois que vous êtes dans la map, vous allez donc pouvoir lancer le jeu. Donc en fonction de vos paramètres, si vous êtes sur Play ou PC, vous allez donc appuyer sur votre touche qui va vous permettre de lancer le jeu. Et là, une fois que vous êtes dans le jeu, vous allez suivre exactement le même chemin que moi. Et regardez, on aura donc la possibilité de récupérer des pièces. Et regardez, lorsqu'on récupère des pièces, on gagne vraiment un maximum d'XP. C'est juste incroyable. Donc vous allez faire exactement à chaque fois le même chemin que moi. Et vous allez voir que on va gagner un maximum d'XP. On a encore des pièces à récupérer. Donc on a deux endroits où il y a des pièces à récupérer et un endroit où on doit ouvrir une porte. Et donc grâce à ces trois choses-là, on a la possibilité de gagner un maximum d'XP. Dès que vous avez ramassé vos deux pièces et ouvrir la porte et ouvert la porte, vous allez donc pouvoir arrêter le jeu. Et directement en bas à gauche, vous allez pouvoir encore une fois rejouer le jeu. Et donc vous allez faire ça en illimité pour pouvoir augmenter vos niveaux à un maximum. Regardez, le jeu est déjà relancé, ça va vraiment super rapidement. Donc le jeu est relancé et encore une fois, on se rend aux trois endroits que je vous ai montrés. Hop là, on se rend au niveau du siège, on a déjà notre première pièce à récupérer. Juste en dessous, on ouvre la porte, on gagne encore un maximum d'XP. Et ensuite, on se rend au niveau du mur. Et là, au mur, encore une fois, on va pouvoir récupérer les pièces et donc gagner un maximum d'XP. Dès que ceci s'est fait, comme je vous l'ai dit, vous répétez les manipulations à l'infini. On arrête le jeu. Une fois qu'on a arrêté le jeu, en bas à gauche, on rejoue une manche et on fait ça à l'infini pour pouvoir gagner un maximum donc d'XP. C'est vraiment super facile, super rapide, donc profitez-en un maximum avant que tout simplement le glitch soit patch. Ça serait dommage de louper cette occasion-là et de pouvoir gagner un maximum de niveaux. N'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on gagne des niveaux, on gagne des étoiles de combat qui vont nous permettre de gagner des éléments dans le pass de combat. Donc c'est vraiment bénéfique pour tous les joueurs qui jouent à Fortnite pour pouvoir gagner un maximum donc d'éléments qui sont dans le pass de combat. Pour ceux qui ont de la difficulté à augmenter leur niveau, profitez-en à un maximum. C'est pas un glitch qui est super compliqué à réaliser, c'est super simple. Vous allez dans le mode créatif, vous mettez le code de la map et vous récupérez des pièces et vous ouvrez une porte et vous faites ça en illimité. Regardez, je suis en train de vous le montrer depuis tout à l'heure, je le fais, je récupère mes deux pièces, j'ouvre la porte, j'arrête le jeu. Et une fois que j'ai arrêté le jeu, directement en bas à gauche, je rejoue à chaque fois la map et on fait ça en illimité. Et vous pouvez voir que ça prend environ une minute, même pas, pour récupérer les deux pièces et ouvrir la porte. Et on gagne environ 10 000 XP toutes les minutes. Donc c'est vraiment juste incroyable, vraiment, profitez-en à un maximum. N'oubliez pas, le code de la map se trouve dans la description ou sinon vous revenez en arrière sur la vidéo et vous retrouvez le code au moment où je me rends dans la map.
Voilà l'équipe, on arrive à la fin de la vidéo. Très important pour sauvegarder vos XP. Donc vous allez donc arrêter le jeu. Une fois que vous avez arrêté le jeu, vous allez retourner sur l'île. Et une fois que vous êtes retourné sur l'île, vous allez retourner à l'accueil du mode créatif, donc dans la map de départ du créatif. Et donc là, logiquement, vos XP auront été sauvegardés et vous donc pouvez aller dans le Battle Royale ou fermer votre jeu. Voilà l'équipe, on arrive à la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, liker et partager. Et ciao tout le monde!